بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على منصة موقع الأوائل للتعليم عن بعد. اليوم إن شاء الله نتكلم عن سويت كونفيرجون سويت ديفيرجون، معناها المتتالية المتقاربة والمتتالية المتباعدة. سويت كونفيرجون تعريفها شنو؟ Suite convergent. Définition. Tarif. Une suite convergent si et seulement si il a وفقط إذا كان il admet تقبل une limite finie تقبل نهاية منتهية. Exemple: la suite de termes général l'inverse de 1 1 sur n au carré 1 sur racine de 1 1 sur n au cube a puissance n avec la valeur absolue de a inférieure de 1 sont de suite convergents. Donc how would it tell yet متتاليات متقاربة convergent. Pourquoi? Parce que admet une limite finie. Parce que la limite si x tend vers plus infini égale 0. Donc sont de suite convergent. Théorème de comparaison. نظرية المقارنة. Comparaison. Soit IN et VN des suites numériques de taliat adadiyya et L un réel si dans certains rangs VN moins L inférieur à VN et si limite Vn égale 0, alors limite In égale L. Donc ça c'est le théorème des comparaisons. Soit IN et VN des suites numériques et L un réel si appartient d'un certain rang. Maintenant, si N c'est prêt ou égal à 5 ou bien N c'est prêt ou égal à 10, on a IN moins R, la valeur absolue inférieure à VN. Et si la limite VN tend vers 0, c'est-à-dire convergent vers 0, alors limite IN tend vers L. Parce que les valeurs absolues sont supérieures ou égales à 0. Donc si VN tend vers 0, c'est-à-dire que limite de IN moins L tend vers 0, donc limite de IN tend vers L. Ça on appelle le théorème des comparaisons.
3. Théorème des gendarmes. Soit IN VN et double VN des suites numériques de tellier à dédier et L un réel si à partir de certains rangs dans certains rangs tu dis un morceau moyenne c'est-à-dire n supérieur égal à 5 ou bien n supérieur égal à d n supérieur égal à 8 donc on a un supérieur à vn et inférieur à double vn. Et si limite de Vn, limite de suite toujours vers un temps vers plus infini, égale limite de double Vn, un temps vers plus infini, égale L, alors limite de In. Si un temps vers plus infini est égal à L. Ce théorème, on appelle le théorème des gendarmes. La vérité de Dirac. Donc, In est compris entre Vn et Wn. Vn, Wn, des suites numériques convergents. C'est-à-dire son limite, si un temps vers plus infini est égal à L, alors. Alors limite de In si un temps vers plus infini est égal à L. Donc cet théorème on appelle le théorème des gendarmes. Si des suites convergents respectivement vers L et L prime et si à partir d'un certain rang on a In inférieur égal Vn donc si on prend les limites In, limite In tend vers L, limite de Vn tend vers L', alors L inférieur ou égal L'. Suite divergent. Définition. Une suite est divergente si et seulement si n'est pas convergent. On sait que la suite convergence est une suite qui admet une limite finie. Alors, متتالية متباعدة هي كل متتالية ليست متقاربة. Donc, si la limite de In, si un temps vers plus infini égale plus l'infini ou moins l'infini, on dit que la suite est une suite divergente. Exemple.
les suites, des termes généraux. Des termes généraux. N au carré, N au cube, racine de N, et A puissance N pour A, de 1, diverge vers plus l'infini. B, là c'est A. B, la théorème de comparaison. Comparaison. Si à partir d'un certain terme, rang, un certain rang, Vn inférieur ou égal à In. Et si limite de Vn égale plus l'infini, alors limite de In tend vers plus l'infini. Parce que IN c'est près de VN. VN tend vers plus l'infini, donc IN est tend vers plus l'infini. VIN est inférieur à VN si limite de VN tend vers moins l'infini, alors limite DIN tend vers moins l'infini. Parce que IN est inférieur à VN. Et VN tend vers moins l'infini. Donc IN tend vers moins l'infini. شكرا. هذا كل ما يتعلق بالمتتاليات المتقاربة والمتتاليات المتباعدة. Suite convergent et suite divergent. Et dans le cours prochain, on va prendre propriété des limites et suite arithmétique et suite géométrique. Je crois.